Yo les Marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette vidéo FAQ. Je vous l'avais promis pour les 10 000 abonnés. On les a passés depuis un petit moment quand même. Je vous l'avais promis pour les 20 000 abonnés. Et cette fois-ci on va la faire, mais avant ça on va faire un petit tour de mon setup. Car je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Je vais vous montrer l'équipement avec lequel je joue et avec lequel je stream. Et notamment un petit écran que BenQ m'a envoyé, 27 pouces, 144 Hz. Il paraît que je vois mieux les ennemis et que je vais moins faire de TK. Ça reste à voir, je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti pour la vidéo setup. On va commencer par le fauteuil, un fauteuil que j'ai acheté récemment chez Boulanger, il coûte à peu près 200 €. Je leur ai proposé de m'éteinter à la place du S pour faire team kill, mais ils m'ont dit non. En tout cas, je suis bien assis dessus, il y a un appui-tête, un coussin pour le dos. Pour l'instant, j'en suis satisfait. On va continuer avec le clavier qui commence à se faire vieux mais qui est toujours aussi efficace. Le Logitech G110 accompagné de la souris Logitech G502, 53 team kill à son actif. Et à ses côtés, avec au compteur 5 team kills, le Thrustmaster Flight Pack T16000 FCS, le micro USB Bird UM1, en complément du casque audio HyperX Cloud Alpha, qui entre nous est une merveille. Avec ce casque, j'entends les bruits des pas de tout le monde autour de moi. Mais le problème, c'est que ça me met la pression et du coup, je tire sur mes potes. Allez, on continue mon setup avec une grenade qui sert à rien, une lampe également et un panneau. Un panneau, bah en fait, tout simplement, c'est le panneau que je mets derrière moi pendant les lives. Bah quoi ? On fait avec ce qu'on a. Hein. Et c'est pas terminé, on continue avec l'unité centrale et le boîtier Zalman Z11+. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, c'est dans la description. Un caisson de basse, bah voilà, moi j'aime la musique, j'aime le bon son. Un clavier Akai MPK mini avec lequel tu peux créer des compositions musicales ou tout simplement le prêter à tes enfants pour qu'ils jouent au clair de la lune. On repasse au-dessus du bureau et on arrive sur mon premier écran BenQ XL2411T avec lequel j'ai fait mes classes. Et juste au-dessus, l'équipement indispensable quand tu joues à un jeu de simulation d'aviation. Ou quand tu n'as pas encore investi dans un casque de réalité virtuelle. Tu prends ça. Juste au-dessus de mon deuxième écran, la webcam Logitech C920 avec lequel je fais mes lives. Et en parlant du deuxième écran, voici le tout dernier arrivé à la maison, le BenQ EX2780Q, 27 pouces, 144 Hz, avec la technologie HDRi, des haut-parleurs intégrés 2.1, et oui, un petit caisson de basse à l'intérieur, et bien sûr une télécommande pour effectuer tous les réglages que vous voulez à distance, changer le volume sonore, modifier les paramètres d'affichage, activer le HDRi pour le jeu, activer le HDRi pour le cinéma. Bref, je crois que le plus simple, c'est que je vous mette une petite fiche détaillée là. Entre nous, je suis pas la meilleure personne pour parler technique, mais le site de BenQ est bien fait. Du coup, je peux vous montrer la technologie HDRi qui joue sur la luminosité, les contrastes, les couleurs de l'écran. C'est surtout dans les zones sombres que la technologie HDRi va faire la différence, ce qui est bien pour les jeux auxquels je joue, principalement des FPS. Ça devrait me permettre de mieux distinguer les joueurs sur le terrain. En plus, c'est un écran 2K, 1440p, 27 pouces. Sachant que sur des jeux comme Squad ou Postscriptum ou Arma, un pixel peut être un ennemi, j'en suis plutôt satisfait. Et comme tous les écrans, on peut aussi faire des réglages manuels. De mon côté, j'ai modifié le Black Equalizer et le Color Vibrance. Je peux vous dire que ça ajoute un petit plus au niveau des détails quand vous êtes sur des cartes en forêt par exemple. Vous arrivez mieux à distinguer ce qui se passe au loin. Au niveau des connectivités, vous avez deux ports HDMI, un port Display 1.4 et un USB-C. Et pour terminer, cet écran est équipé du pack de fonctionnalités iCare qui comprend les technologies Low Blue Light, en gros c'est pour la faible lumière bleue, et Flicker Free, anti-scintillement. Personnellement, j'utilise après des grosses sessions de jeu, ça fait du bien à mes yeux, ça repose mes yeux. Et oui, je sais, si je veux reposer mes yeux, je peux tout simplement éteindre l'ordinateur, oui. Sauf que quand tu dois faire du montage vidéo derrière ta vidéo, bah t'es content d'avoir cette fonctionnalité quoi. Pour terminer sur la présentation de cet écran, je tiens à remercier BenQ de me l'avoir envoyé. Et je tiens quand même à préciser que je n'ai pas été sponsorisé par BenQ pour cette vidéo. Ils m'ont contacté et ils m'ont dit, on t'envoie un écran et tu le testes. Et c'est ce que j'ai fait, ça doit faire environ 10 jours que je l'ai et j'en suis plutôt satisfait. Et voilà, maintenant vous savez avec quel équipement je joue aux jeux vidéo sur PC. Si vous voulez plus de renseignements sur ma config PC, tout est dans la description. Vous avez juste à aller voir, il y a toutes les références. On va maintenant passer à la FAQ et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce très importante à vous faire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors très bonne question pour commencer cette FAQ, faut savoir que j'ai mis ma première vidéo, si je dis pas de bêtises, en octobre 2013, donc ça fait déjà 6 ans, et ma première vidéo c'était quoi? C'était Arma 2 avec Wolf et 8, on était sur le mode Seconde Guerre mondiale d'Arma 2, je voulais tout simplement garder des souvenirs entre potes, comme ça, parce qu'il y avait Master Snaku à l'époque qui faisait des vidéos déjà du Derima, et je me suis dit, comme là il n'était pas là, pourquoi pas faire une vidéo souvenir avec Wolf et 8. Ça a commencé comme ça, puis je me suis pris au jeu. Et pour apporter un peu plus de précision sur le pourquoi j'ai commencé à faire de la simulation militaire, faut savoir que moi j'étais un joueur console jusqu'à fin 2011. Je jouais à Call of Duty, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3. J'ai basculé fin 2011 sur Battlefield 3 sur PC avec Granola. On avait une team à l'époque. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui me corresponde plus. Tu vois, j'avais envie de simulation militaire.
Je me souviens à l'époque, j'avais joué dans les années 90 à Delta Force. Je pense que ça a mal vieilli maintenant, mais j'avais vraiment kiffé l'ambiance. Et je me suis dit, il faut que je retrouve un peu cette ambiance-là. Donc j'ai cherché, je suis tombé sur Arma, que je connaissais pas. Je connaissais pas les licences Arma. J'ai découvert Arma à travers des vidéos du Derima avec Master Snaku en mode 1000 sim. J'ai kiffé. Donc je me suis dit, on va acheter Arma 3 parce que Arma 3, si je dis pas de bêtises, il venait de sortir en 2011, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai commencé à jouer avec des communautés françaises. J'ai bien aimé jouer avec eux, j'ai appris à jouer avec eux. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une team. J'ai toqué aux portes du Derima. Ça va rejoindre la deuxième question, mais je vais y revenir juste après. En gros, c'est pour ça que j'ai basculé sur les jeux 1000 sims. C'est parce que j'avais envie de trouver un jeu qui se rapprochait un peu plus de la réalité, surtout de l'immersion. Vous savez que moi, j'aime l'immersion. Donc voilà, je voulais me rapprocher d'un jeu qui m'apporte cette immersion que j'avais envie de trouver dans un jeu vidéo. Alors mon Kiran, tu es maintenant dans la team. Est-ce qu'ils sont gentils avec toi les Derima? Ouais non ça va, franchement c'est... On s'y sent bien. Je pense que vous le sentez quand on joue aux jeux vidéo, le Derima, voilà. C'est vraiment des mecs avec qui j'aime bien me retrouver le soir et tout ça. Une bonne team, on est quoi? Un peu plus de 10 marsouins, hein. D'ailleurs ça va faire 10 ans, 10 ans que le Derima il existe. À l'époque c'était Evil et Taga qui avaient fondé la team, donc il y a des anciens aussi comme Wolf qui sont toujours là, il y en a d'autres encore des anciens. Je pense qu'on se fera un truc pour les 10 ans du Derima, mais là c'est pas la question. Donc comment sont arrivés Arma 3 et le Derima dans ma vie? Je l'ai répondu un petit peu dans la première question, c'est tout simplement parce que j'ai cherché des vidéos sur des jeux 1000 sims. Je suis tombé sur Arma 2, donc les vidéos de Master Snaku sur l'opération Street Sweeper. J'ai kiffé de fou. J'ai acheté Arma 3, j'ai toqué aux portes du Derima, on m'a dit vas-y viens tester. Donc voilà pourquoi le Derima et Arma sont arrivés dans ma vie, tout simplement parce que Snake, hein, il faisait des vidéos et du coup j'ai kiffé et voilà, bah, j'ai toqué aux portes et ça a fonctionné. Alors non, je n'ai pas d'expérience militaire, je n'ai pas fait de service militaire, j'ai juste fait la journée, laisse tomber, c'était... nu. Je pensais que j'allais apprendre des choses, j'allais apprécier, mais non, rien du tout. Franchement, ça m'a plus dégoûté, alors que j'étais intéressé par le service militaire et tout ça. T'imagines le truc, quoi. J'espère que maintenant, ça a changé, leur nouveau truc, là. Mais par contre, j'avais des amis qui étaient militaires, et j'avais un pote qui était chez les paras. On discutait souvent de ce qu'ils faisaient et tout ça, ça m'intéressait vraiment. Et au moment où j'ai voulu m'engager, j'ai voulu faire les démarches et tout ça pour m'engager, bah, en fait, j'ai rencontré ma femme donc, que j'ai actuellement. Et j'ai dû faire un choix, est-ce que je m'engage ou est-ce que je reste avec ma femme? Bah, j'ai fait le choix de rester avec ma femme, donc de m'engager avec ma femme, et bah, je me suis dit, bah, on va jouer au jeu de simulation militaire. Hein. Alors mon pseudo Tipex, ça fait un petit moment que je l'ai. Pour ceux qui ne le savent pas, je faisais du rap, et en fait mon pseudo dans le rap, c'était Vinici. J'ai changé maintenant avec Tipex, comme ça j'en garde qu'un seul. Et en fait c'était Vinici aka Tipex. Comment c'est venu le Tipex? C'était plus un délire avec des amis. Je cherchais un pseudo pour rapper, donc j'avais plein de petites idées, mais j'arrivais pas à trouver ce qu'il me fallait. Puis j'ai un pote comme ça, il me sort « Pourquoi tu t'appelles pas Tipex? C'est stylé Tipex, t'es tout blanc et tout ça, c'est stylé !» Sur le moment, je fais « Mais c'est trop nul en fait ta blague, elle est toute pourrie ta blague !» Et de fil en aiguille et tout ça, c'est toujours un peu resté dans le délire. Et quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis dit « Tiens, bah, le pseudo Tipex, je vais le mettre en avant, je vais le garder. » Et maintenant, bah voilà, je l'ai accepté et ça fait partie de moi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, Tipex, c'est comme le Blanco. » Ouais, enfin, en même temps, si je l'ai choisi, c'est parce que justement, c'est le Blanco et les Blancs. Je suis blanc, mon pote, lui, c'est un Réunionnais. Donc voilà, on est parti sur ce délire-là. Et bah voilà pourquoi j'ai choisi le pseudo Tipex. C'était parce qu'à l'époque, je faisais du rap. C'était un aka Tipex. Et maintenant, bah voilà, c'est le nom de ma chaîne et puis mon pseudo dans les jeux vidéo. Alors je me trouve en Ile-de-France, j'ai pas envie forcément de dévoiler ma vie privée ni de dire où j'habite, hein, ok. Et ce que je fais dans la vie c'est pareil, c'est pas super passionnant, heureusement que j'ai tous les à côté parce que voilà, je travaille dans les bureaux dans le secteur de la retraite. Alors, j'ai pas forcément des projets de vlog, j'ai des idées. Je vous ai dit en début de vidéo de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une annonce à vous faire et je pense que ça va te plaire Baptiste. Mais bon, quand même, pour te répondre, j'ai pas forcément des envies de vlog, mais si jamais je vais visiter des lieux historiques, des lieux qui me donnent envie de partager ce moment avec vous, bah, je le fais, pas de souci. Je vous mets la vidéo direct, là, comme ça, je fais le montage, tac, 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 tac. Et voilà, un vlog. Alors, wow, 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 wow. J'en vois déjà qui sont en train de se foutre de ma gueule. Des mecs de la team, là, qui sont en train de rigoler parce que je suis encore à la taverne du Hurlevent. Hein? Bon. Wow.
Un jeu que j'ai beaucoup adoré, j'ai commencé à y jouer quand j'avais un vieux PC HP, parce que c'est un des seuls jeux que je pouvais faire tourner. Et pour te répondre, Brock, j'y joue vraiment très 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 rarement, à la limite quand on m'offre une nouvelle période gratuite ou alors quand il y a une nouvelle extension, je sais pas, je me dis tiens, j'y vais, puis bon, en fin de compte, j'y reste pas longtemps. Je t'avouerai que l'abonnement mensuel, ça me bloque un petit peu. Du coup, non, je ne vais pas jouer à WoW classique, et si je devais prendre une classe, bah je sais pas. Très bonne question de Bayoni, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous dis que j'ai plus le temps de faire les montages vidéo, que j'ai plus le temps de jouer à tel jeu, que j'ai plus le temps de jouer à d'autres jeux. J'aimerais bien vous partager énormément de choses, mais avec le boulot, le sport, les enfants, enfin bah, bref, ma vie privée, j'ai pas le temps forcément pour tout faire et j'ai pas envie de mettre mes enfants de côté pour pouvoir faire bah, ce que j'aurais envie de faire avec la chaîne. Donc actuellement, je vous fais des lives, je remets des vidéos directement tirées des lives. Hop, sans montage, ça vous l'avez vu, c'est pas forcément super. Voilà, j'ai perdu un petit peu goût au montage, ça va peut-être revenir, mais pour l'instant, j'ai plus trop le temps. Concernant les jeux vidéo, on va rester sur le même type de jeux vidéo, ça y a pas de souci. J'aimerais bien vous faire des vidéos sur Wolfpack, j'aimerais bien vous faire des vidéos sur Verdun, j'aimerais bien vous refaire des vidéos sur Warfight, il y aura toujours des vidéos sur Squad, Postscriptum, ça va revenir. Bref, j'ai plein d'idées, j'ai envie de vous partager plein de choses, mais j'ai pas forcément le temps. Donc, des projets pour la chaîne Tipex. Il n'y en a pas forcément. J'en ai d'autres, justement, c'est ce que je vais vous expliquer en fin de vidéo. Mais on va rester sur la même optique, les mêmes jeux vidéo. On va faire comme je fais actuellement. Et les sessions que j'aurais fait intéressantes lors des lives, je vais les remettre sur la chaîne YouTube. Donc ça, je pense que ça vous plaît déjà parce que je sais que ça intéresse certains d'entre vous de voir du gameplay, du contenu. Donc voilà, ça, il y en aura toujours. Il y a des jeux que j'attends comme Ready or Not. Ça, franchement, c'est un jeu que j'attends. J'espère qu'il va déchirer. Donc pas forcément de projet sur cette chaîne, mais il y aura toujours du contenu vidéo comme d'habitude. Peut-être un peu moins souvent, mais ça sera en fonction des lives et des sessions que je trouverai intéressantes à partager avec vous. Bon chocolat. Bah tiens, j'en parlais justement avant, Ready or Not, c'est un jeu que j'attends. Je sais que c'est une petite équipe de développement, en tout cas ce qu'on a vu, c'est prometteur. J'ai pas accès à l'alpha malheureusement, j'ai demandé une clé aux développeurs, ils ne l'ont pas envoyé, bon bah tant pis. Dès que j'aurai accès au jeu et que j'aurai le droit de vous en parler, bah je vous ferai des vidéos dessus, ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'attends avec impatience car ça peut être le petit-fils spirituel de la licence SWAT. Alors Warfight, il va falloir que j'y retourne parce qu'en plus ils ont fait une grosse mise à jour avec les canons et tout ça. J'aimerais bien les tester, mais il faut que je reprenne contact avec les teams françaises. On se fera une petite soirée sur Warfight en live. Il est bien mon accent là ou pas? Non, non, non. Et sinon, concernant Verdun ou Tannenberg, je voulais vous faire une vidéo dessus pour le 11 novembre 2019, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Du coup, je pense qu'on se fera un petit live sur Verdun. Surtout qu'ils ont fait pas mal de mises à jour, car oui, le jeu est toujours en développement. Donc oui, on va y retourner sûrement aussi lors d'un live sur Twitch. Alors oui, je vais refaire du DCS. J'entends déjà la voix de Wolf. Oui, fais du DCS, fais du DCS. Maintenant, quand je sais pas. Vous avez vu le joystick là tout à l'heure dans la vidéo de setup qui est juste derrière moi là. Il est prêt. Je vais même pouvoir mettre le palonnier avec mon nouveau bureau. Donc oui, je vais refaire du DCS. D'ailleurs, j'ai promis à Wolf que je referais de l'hélicoptère, que j'essaierai de me remettre à l'hélicoptère. La dernière fois, c'était un peu chaotique, hein. On va pas se le cacher. Par contre, non, je ferai pas de Falcom BMS là. Je vais rester sur du DCS. C'est déjà très bien, hein. Alors pour te répondre Anne, sur les épinards, ma grand-mère elle disait que c'était de la bouse de vache. Alors figure-toi que je mangeais pas trop étant petit. Au fil du temps, je me suis mis à goûter à la crème, hachée, en branche. Et je me suis dit, c'est pas si dégueu que ça. Donc j'en mange. Alors pour te répondre, Wobble, oui, je fais toujours de la musique. D'ailleurs, je vais apporter quelques précisions par rapport à ça. Bah, en fin de vidéo, tout simplement, on y arrive. Mais oui, je fais toujours de la musique. D'ailleurs, ça fait presque 20 ans. 20 ans que je fais du rap avec mon meilleur ami, que vous allez connaître très prochainement sur l'autre chaîne. Donc oui, j'en fais toujours et j'ai besoin d'en faire. Ça reste une passion, un plaisir que je partage avec mes amis, parce que voilà, c'est des amis proches avec lesquels je fais de la musique. Et du coup, quand on a le temps de se retrouver, de faire quelque chose ensemble, bah, on le fait. Mais prochainement, vous allez entendre quelques morceaux. Et voilà, c'est terminé. J'en ai fini avec cette FAQ. Faut savoir que la première fois que j'ai enregistré cette FAQ là, j'ai tourné pendant plus d'une heure
un sans son. J'ai parlé comme ça pendant plus d'une heure, sans son. Je l'avais fait avec ma webcam et tout ça là, avec le micro qui est là. J'avais la haine, la rage. Du coup, je me suis dit, laisse tomber, on reprendra ça plus tard. Donc voilà, du coup, j'ai fait ma FAQ. Merci à tous pour vos questions. C'était super intéressant, ça m'a permis moi de revenir sur des moments de ma vie de joueur et autres d'ailleurs. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle annonce, une annonce qui pour moi est très importante, un nouveau projet, une nouvelle chaîne YouTube, une transformation de la chaîne Twitch. C'est parti, je vous en parle maintenant. Les acolytes, bonne cette Ipex, c'est quoi ce truc? Programme, jeu en coop, vendredi, machin, c'est quoi ce truc? Bon, je suis pas sûr que l'intro soit d'accroche, hein, mais j'essaie de me mettre à votre place quand vous regardez cette image, mais c'est quoi ça? Eh ben les Marsouins, c'est ma nouvelle chaîne, mon nouveau bébé, une chaîne que j'ai fondée avec un ami d'enfance que je connais depuis plus de 30 ans, c'est mon meilleur ami, il s'appelle Bones, ça c'est son pseudo. On a décidé de fonder une chaîne Twitch et une chaîne YouTube tout simplement pour partager nos passions. Il y aura bien sûr du jeu vidéo, mais pas seulement, il y aura des talk shows, des émissions, des podcasts, peut-être même des reportages. On parlait de vlog tout à l'heure, eh ben oui, on fera des reportages. Et il y aura aussi de la musique, on en parlera lors des émissions, mais pas que. On vous emmènera avec nous au studio lors des phases d'écriture, les phases d'enregistrement, comment ça se passe et tout ça. Bref, on s'est mis dans la tête de partager plusieurs de nos passions avec vous, que ce soit le jeu vidéo, l'écriture, qui fera référence au blog de Bones. Je vous invite d'ores et déjà à aller voir son blog, le lien est dans la description, ça s'appelle Parlons de tout. Il y a plusieurs sujets qui sont traités, c'est super intéressant. Donc l'émission sera complémentaire avec ce blog, on va parler un peu de tout, on va essayer d'inviter des personnes, on a plein d'idées dans la tête, faut juste qu'on mette ça en place. On pense que l'émission commencera début d'année prochaine et on pense qu'on se fixera un rythme mensuel, il faut qu'on en discute encore, c'est pas encore finalisé tout ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette émission, Parlons de tout, sera en direct sur Twitch. Donc on compte sur vous pour venir nombreux, on pourra discuter avec vous à travers le chat et ça franchement c'est super intéressant. Donc vous l'avez compris, ce projet me tient à cœur et ça me fait super plaisir de partager ça avec mon meilleur ami. On n'a pas trop l'occasion de se voir et là ça va être l'occasion de se voir, de rigoler ensemble. Parce que oui, les émissions ça va être du sérieux mais en même temps on va bien rigoler. Le jeu vidéo, il y aura un rythme un peu plus régulier, donc des lives toujours sur Twitch. On en fera un peu plus souvent que les émissions. On va tout mélanger, on espère que ça va vous plaire, mais vraiment, vraiment vous plaire. En tout cas, nous, on va prendre du plaisir à le partager avec vous. Et j'espère aussi que vous en parlerez autour de vous, parce que là, ça ne va pas seulement toucher les jeux de simulation militaire ou autres, ça va toucher un large public, un large panel. Les jeux vidéo, on va partir sur des jeux vidéo en coopération, donc on va rigoler ensemble. Il y aura des jeux de sport, il y aura des jeux d'aventure, il y aura des jeux, je sais pas, même Hoover Cookie, tu vois, des trucs comme ça, des trucs un peu fun et tout ça. Je pense qu'on va passer de bons moments ensemble. On espère que vous serez nombreux lors des lives. Sachez qu'il y aura une rediffusion sur la chaîne YouTube. J'en ai pas parlé, mais oui, il y a une chaîne YouTube dont certains d'entre vous, vous êtes à peu près 1000 à déjà abonnés, parce que oui, j'ai triché. C'était une chaîne où je mettais mes rediffusions de live. La chaîne Tipex VOD, j'ai viré tout le contenu, je l'ai transformé en chaîne YouTube Les Acolytes. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne, je vous mets le lien dans la description, hein. N'hésitez pas à aller cliquer, abonnez-vous, mettez la cloche et tout. Pour Twitch, c'est important, il faut que je vous le dise, la chaîne Twitch Tipex n'existe plus, je l'ai transformé en Les Acolytes. Ça ne change pas ce qui va se passer. Quand mon pote ne sera pas là et qu'on fera pas des vidéos avec les acolytes, je ferai des vidéos sur des jeux comme Squad, parce que voilà, c'est des jeux que j'aime et j'ai encore envie d'y jouer. Le Dorima, ce n'est pas terminé, non, 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 c'est juste un projet que j'ai à part, mais le Dorima est toujours présent. Il y aura cette partie-là, donc ce projet-là que j'ai avec lui, avec mon meilleur ami, et il y aura toujours les vidéos du Dorima, donc les sessions avec la team, que quand je jouerai à des jeux sur Squad et tout ça, ça sera toujours sur ma chaîne Tipex, d'accord? Ça ne change pas grand chose, sauf que le nom de la chaîne Twitch a été modifié. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà vu, ils m'ont demandé Tipex, tu t'es fait hacker ta chaîne ou quoi? Il y a les acolytes, c'est quoi ce pseudo de merde? Alors pourquoi on a choisi ça? Et ben peut-être qu'on y reprendra un jour lors d'une FAQ. Donc allez follow la chaîne Twitch, allez vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve très prochainement, que ce soit sur la chaîne de Tipex, donc la mienne, solo, ou la chaîne Les Acolytes avec mon meilleur ami. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette grosse vidéo, setup, FAQ, annonce. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous l'avez compris, moi je suis boosté de ouf par mon nouveau projet et j'espère que vous serez présents et que vous viendrez nombreux lors des lives et aussi bah, abonnez-vous à la nouvelle chaîne. Je crois que je vous l'ai dit, hein. Il me semble que je vous l'ai dit pas mal de fois, mais voilà, vous sentez mon enthousiasme. Je pense que vous allez me voir un peu différemment de d'habitude, parce que d'habitude, je suis quand même assez calme. Vous allez me voir sous une autre facette, parce que voilà, quand on est avec ses potes, qu'on connaît depuis plus de 30 ans, bah, il y a une complicité, une osmose, un truc, tu vois,
qui est là, présent, et bah, du coup, je pense que vous allez le ressentir. En tout cas, nous, on sera content d'être ensemble et on va le partager avec vous et parler de nos passions. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Et du coup, on s'est dit, tiens, on balance ce projet. Lui, il a un blog, moi, j'ai une chaîne YouTube. On mélange les deux, on fait de la musique, on rajoute ça en plus et ça donne les acolytes. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien si elle est jeune.